Il faut se faire vacciner pour préserver sa propre santé. Nous avons des responsabilités vis-à-vis de la société, de toutes les personnes qui nous entourent. Il faut se dire que les vaccins ont été un progrès remarquable en médecine au cours de ces 100 dernières années. On vaccine contre des maladies telles que la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, etc. Et ce sont des maladies dont la population actuellement ignore même le nom parfois. Donc la vaccination est très importante. Au cours de l'évolution de la pandémie, on s'est rendu compte que des personnes jeunes, parfois même des enfants, pouvaient être contaminées et pouvaient aussi être des sources de contamination. Donc, il est important de se faire vacciner même quand on est jeune. Dans tout médicament, il y a des effets secondaires. La chose importante, c'est savoir quelle est la sévérité. Qu'observe-t-on une légère douleur à l'endroit de l'injection, un peu de gonflement, de rougeur. Toutes ces réactions locales sont passagères. Les réactions graves qui ont été observées l'ont été dans des groupes de personnes particulièrement fragiles ou qui souffrent de pathologies telles que le diabète, l'hypertension, l'obésité, etc. Pas vouloir aller trop vite. Tout va se solutionner au fur et à mesure du nombre de personnes vaccinées.